لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. L'arthrose est l'état dans lequel la structure et le fonctionnement des articulations se trouvent altérés. Le mot arthrite désigne une inflammation des articulations. Les articulations synoviales ou à libre mobilité sont constituées d'os cartilagineux attachés par des ligaments. Une membrane occupe l'espace entre les os et contient le fluide synovial ou synovie. Ce liquide lubrifie l'articulation et permet des mouvements fluides. L'arthrose affecte très souvent les grandes articulations soumises à un poids important, comme celle des genoux et des hanches. Dans un cas d'arthrose, les frictions de l'articulation sont responsables d'une usure des cartilages. Tandis que cette abrasion se poursuit, les extrémités osseuses répondent à cette contrainte croissante par la production de nouveaux tissus qui créent des protubérances au niveau des articulations. L'arthrose provoque rarement des difformités engendrant la validité. Pour certains cas affectant les hanches, la chirurgie de remplacement peut s'avérer nécessaire pour améliorer ou restaurer la mobilité. Dans le cas d'une arthrite rhumatoïde, l'inflammation de la membrane synoviale qui sécrète le lubrifiant des articulations provoque une douleur. Pour des raisons mal connues, une réaction auto-immunitaire provoque l'expansion de la membrane synoviale dans l'articulation, produisant des tissus de cicatrisation et l'usure des cartilages. Parallèlement, le liquide s'accumule dans les cavités de l'articulation et augmente la douleur.